Damien okay. et Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la suite de cette huitième euh, édition de l'Innovation Week co-organisée par la roche sur Agglomération et, et la CCI Vendée. Merci hein, d'être euh, avec nous pour cette matinale en direct sur Internet, sur les réseaux sociaux. Sur les chaînes YouTube de l'événement et TV Vendée, mais aussi en public, ici dans les nouveaux locaux de la Loco 2 le cœur stratégique du numérique lyonnais, une matinale durant laquelle nos experts vont nous expliquer qu'il est possible de créer des applications sans code informatique, qu'il faut exploiter ces données qui valent de l'or, l'intérêt de mettre en place un plan de reprise d'activité en cas de cyberattaque, ou encore, eh bien. Comment financer on va dire ça comme ça ces projets numériques on vous invite à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag de l'événement innoweek 85 et bien sûr à poser euh, vos questions euh, à nos invités on va commencer avec notre première émission sur le code alors on va pas se mentir ça va parler un petit peu de technique hein, euh, ce matin j'ai le plaisir de recevoir euh, Florent Cadouin bonjour Florent Bonjour vous êtes euh, cofondateur de YouDoTools, David Grelo, euh, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes le fondateur de la société euh, Carbone. De l'autre côté, hein, sur le canapé, on trouve Damien Lecan, directeur technique de Space Elephant et cofondateur de l'association Blockchain et Société à Nantes. Bonjour, bonjour Damien, bonjour. et à vos côtés, Jean-Baptiste vie CEO d'Ocode, code c'est ça Oui, bonjour. Bonjour euh, Jean-Baptiste. Deux thématiques liées au code. On va commencer avec le no-code et cette grande question, euh, faut-il... Faut-il dire yes au no-code Éléments de réponse avec Florent et David. Florent Cadou, avant de parler de YouDoTools, j'aimerais que l'on parle de votre parcours. Vous avez un parcours atypique dans le numérique oui, euh, bonjour tout le monde. Euh, donc, moi, après avoir passé une dizaine d'années euh, au service d'entreprise dans un cabinet d'expertise comptable commissariat aux comptes, donc rien à voir avec le numérique, euh, j'ai rejoint une PME industrielle euh, où j'y ai passé une douzaine d'années et dans lesquelles j'étais contrôleur de gestion. Donc à nouveau rien à voir avec le numérique. Et pour autant, euh, bah, il a fallu mettre un peu les mains dans le, dans le moteur de la data, si on peut dire, euh, bah, pour servir au mieux les, les métiers de l'entreprise. Et à cette occasion, en fait, j'ai rencontré mes associés actuels, et où en fait, nous avons partagé une vision euh, commune qui était comment donner euh, accès euh, aux, aux gens du terrain, euh, comment donner accès, en fait, à la création d'applications métiers pour qu'ils puissent mieux gérer euh, bah, leur métier du quotidien et puis euh, et puis mieux réaliser leurs euh, leur tâches, euh, tout en leur inculquant, en essayant de leur inculquer la, la culture de la data. Alors euh, YouDo en quelques mots, c'est quoi Oh bah du c'est hyper simple. Euh... On va travailler à dire comme ça, ça me va. <laughs> Maintenant, la suite. Euh, J'attends. En fait, donc c'est une plateforme web de programmation visuelle qui permet de créer des applications. Enfin qui permet euh, à, on va dire à des non développeurs de créer des applications euh, sans avoir à, à écrire une seule ligne de code. Mm. Mais ça permet également à des développeurs euh, de, de, de de réaliser aussi des applications, mais de façon beaucoup plus rapide. Euh, euh, David, Carbone, c'est quoi comme, euh, comme société Alors Carbone, c'est avant tout un, un outil de, qui facilite la génération de documents, type PDF, Excel, mm -hmm. à partir de, de données qui viennent d'être de diverses applications. Mm -hmm. Et en fait, l'originalité de Carbone, c'est euh, justement que l'outil principal de développement, c'est la suite Office ou LibreOffice que tout le monde connaît. Mm -hmm. Donc il n'y a, a pas besoin de, de coder. Et qui sont vos clients à hein, tous les deux alors moi de mon côté j'ai vraiment tout type de clients euh, et c'est là où on voit que le no-code s'adresse vraiment à tout type de typologie d'entreprise parce que j'ai des clients qui vont d'éditeurs de logiciels jusqu'à des revendeurs dans le... Dans le, dans le luxe etc comme Christian Dior etc ou le ministère de l'intérieur voilà, C'est très, ah oui, très très large c'est très très large et, et euh, pour Udo ben pour nous en fait euh, donc déjà la cible de Udo, c'est essentiellement des PME donc forcément mm -hmm. euh, nos clients sont essentiellement des PME mais pour autant en fait ce qu'on peut dire c'est que le, le no code tel qu'il existe aujourd'hui il est plutôt à destination des startups en tout cas le, les, les plateformes les plus connues en fait euh, s'adressent beaucoup aux startups euh, pour, pour faire leur, leur MVP ou des choses comme ça. Mmh. Euh, et, et nous, en fait, on a plutôt choisi un, un positionnement un peu, peu différenciant en s'adressant aux au PME euh, qui ont des grands besoins de, de transformation numérique. Alors si vous deviez expliquer euh, à un ado de troisième ce qu'est le no-code, en mode prof de techno, vous le feriez comment ben, En fait, moi, je lui dirais que le, le no-code, aujourd'hui, c'est euh, un peu comme un set de Lego où on vient assembler des briques euh, pour construire une interface visuelle. Euh, mais mais au-delà de ça, c'est un peu comme euh, ce qu'ils apprennent aujourd'hui, euh, où, où, où en fait, on leur apprend à faire de l'algorithmie, par exemple sur Scratch. C'est quelque chose qui leur parle, ça. Mmh, c'est vrai. Euh, et, et donc, euh, au-delà de faire bouger des petits bonhommes avec de l'algorithmie, en fait, on vient construire des interfaces, dans notre cas plutôt de gestion, mais, mais dans d'autres cas, ça peut être mmh. des sites web, des applications. Euh, même, même jusqu'à des jeux. Aujourd'hui, on est capable de faire des jeux en no-code. Vous auriez fait un bon prof de techno, euh, Florent. Euh, David, <laughs> c'est quoi la différence avec le no-code, puisque vous utilisez euh, le low-code mmh. En fait, le, je dirais, le, très basiquement, le no-code, c'est, on décrit en, on va dire, le, le, le quoi, et en mmh. low-code, on décrit le comment. C'est-à-dire, en fait, en, en no-code, on va, par exemple, déplacer des briques, c'est vraiment de la programmation par glisser-déposer, on va dire. C'est un petit peu le candy-crush de la programmation. Et en fait, vous déglissez des, des parties, ça vous génère l'application derrière. Alors que le low-code, là, vous commencez à écrire quelques lignes de code. C'est un petit peu la colle un petit peu de tout ça qui va permettre d'aller un petit peu plus loin euh, mm -hmm. que le no-code. Mm. Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire du, euh, du, du code ou plutôt du no-code, Florent vous euh, En fait, euh, moi, je n'avais pas le temps euh, ni l'envie d'apprendre à coder déjà. Et, et comme un peu la majorité de la population mondiale, en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 0,3% de la population mondiale qui sait coder aujourd'hui euh, donc euh, bah, par définition que c'est pas écrire de, de code informatique et, et pour autant en fait dans l'entreprise où j'étais il y avait des grands besoins de personnalisation de, de création d'applications mmh. du coup c'est ce qui m'a amené à à, 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 à pousser ces, 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 ces technos-là. Euh, en préparant cette, cette émission, vous m'expliquiez qu'il euh, n'y a pas de no-code sans API et sans cloud. Mm -hmm. Vous pouvez nous, nous en dire quelques mots Oui, euh, en fait, euh, le, le no-code, ça qui a été bien accéléré par euh, les, tout ce qui est cloud, applications web, parce que du coup... Euh, tout est déjà installé finalement sur le web déjà. Tout est déjà disponible. Il n'y a pas d'application installée sur son poste etc. ou sur des serveurs. Et puis en plus, euh, du fait d'avoir... Maintenant, il existe une API pour tout en fait. Et euh, par exemple, si on a une API no code qui est incomplète, on peut la compléter facilement en branchant des API qui viennent d'autres services, donc comme si on branchait des tuyaux. Et ça, c'est très pratique et c'est très commun dans le web. C'est ce qui, ce qui facilite le no code. Hmm. Bon, alors, on ne va pas se mentir dès qu'on parle d'API. Euh, on rajoute un, un peu une couche de complexité euh, à la construction des, des applications. D'accord, à la construction des briques. Ouais, c'est ça. C'est ça. c'est okay, une brique supplémentaire. Euh, pourquoi nos coder au final Pourquoi nos coder pour gagner du temps Ça, la rapidité. En fait, ça que euh, le... ça permet vraiment de sortir une application très très, très rapidement. Alors, dans le cas de Carbone, euh, nous, ça nous décharge euh, de, en tant que développeurs aussi de, mm -hmm. de générer, de créer ces rapports. Donc euh, vraiment c'est une question ouais, de rapidité euh, de, de livrer très vite et ça, ça ça change tout parce que ce qui est important dans le logiciel c'est c'est le feedback en fait rien n'est parfait du premier coup et en fait c'est quand on livre et quand on commence vraiment à utiliser l'appli qu'on se dit ah non finalement c'est pas comme ça il faut changer ça il faut changer ça en no e code ça va très vite on peut très vite faire un retour changer etc ouais. en fait euh, moi j'ai une petite phrase là-dessus c'est que ça permet de se tromper vite ouais, pour pour faire mieux, euh, plus vite, quoi. Ouais, D'accord. Ouais. Et donc, pour, pour les entreprises, c'est euh, intéressant dans le sens où euh, vous leur faites gagner du temps. En tout cas, ouais. Il, ouais. Il, 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 euh, il gagne du temps enfin, pour les personnes qui utilisent euh, cette technologie euh, au sein même de leur ça. entreprise. Du ouais. temps, du temps et, et de la capacité de personnalisation qui est beaucoup plus forte qu'auparavant que, qu euh, ouais. par rapport aux progrès qui ont été faits. Euh, Puisqu'en fait, jusque-là, on va dire qu'une entreprise, une PME classique, euh, ça avait euh, un ERP, euh, quelques logiciels métiers, et puis euh, pour tout ce qui n'était pas couvert en fait, par l'ERP ou par les logiciels métiers, bah, il y avait de l'Excel. Mmh. Euh, et donc, en fait, euh, euh, les outils no-code aujourd'hui permettent de alors remplacer Excel. C'est c'est pas c'est pas le cas euh, puisqu'il a toujours sa place. Mais en tout cas, ça permet de faire un, un, un bout de chemin vers la collaboration, vers euh, vers l'unicité du mmh. système d'information. Alors, David, vous êtes développeur. Oui. Et vous Oui. Est-ce que ça profite aux développeurs alors Oui, profite largement aux développeurs. En fait, en tant que développeur, on cherche toujours à, à automatiser nos tâches. On est le, le bon développeur, il est fainéant en fait. Hein. Faut il faut qu'il aille vite et de, de trouver des, des moyens de. de plus vite. Et du coup, en tant que développeur, on utilise le code finalement, ou même certains qui aiment nos codes, mais on, on l'utilise un petit peu pour générer du code. Mm. Donc, non, c'est un outil qui, qui, est, qui est très utile pour les développeurs aussi. Est-ce que c'est moins cher, au final, de faire du de code que de faire un paper euh... Il ne devrait pas le un lire, un mais développeur. dire, mais oui. <laughs> C'est ça, en fait. Mais en fait, les développeurs sont rares. De toute façon, c'est juste ça, le, le problème. Et du coup, d'ailleurs, on a la tension sur le marché des, du recrutement des développeurs. Elle est très, ouais. très, 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 très forte. Et effectivement, bah, du coup, les salaires commencent à augmenter. Enfin, même en plus avec le Covid. Dans nos régions, on commence à avoir des salaires qui, qui montent parce que les, les le même Paris cherche des, des paris ici, dans nos régions. Et donc, c'est sûr que oui... Ça, ça, peut être, enfin, ça peut être moins cher. En tout cas, ne pas recruter de développeurs pour faire certaines choses. Hmm. Florent voilà, Je suis d'accord avec tout ça, ouais. euh... Vous n'êtes pas développeur Moi, Je ne suis pas développeur. Donc vous, ça, vous êtes tranquille, là. <laughs> d'accord <laughs> <laughs> on, on est d'accord. Euh, super intéressant, c'est qu'en en préparant cette émission, je me suis dit je peux faire du, euh, du no-code, voilà, à, à mon petit niveau. Et je me suis quand même posé si ça avait ses limites parce que ça a l'air génial dit comme ça, mais est-ce que... Ouais, et lesquelles Bien sûr, ça les limite. Alors, qui sont à peu près tous les jours, euh, puisqu'en fait, les, les, pour pour faire du développer du no code, en fait, il faut quand même développer du code, hein, parce qu'en en fait, le mm -hmm. no code, ce n'est que de l'abstraction du code. Euh, et donc, en fait, aujourd'hui, les limites du no code, ça va principalement être dans la personnalisation extrême. Et euh, bah, tout à l'heure, euh, je pense qu'on va parler de blockchain. Mmh. Euh, bon, même s'il euh, y a quelques blockchains qui sortent de no code, je suis pas sûr que ce soit tellement encore tellement au point tout ça. Euh, et euh, et puis il euh, y a également. Euh, euh, pff, en en ouais. fait, ce qui est intéressant, c'est que le, ce qui peut manquer au no code, le low code en fait vient vient le remplacer. Oui, vrai. Enfin, vient le compléter plutôt. David. Oui, c'est ça. En fait, les deux d'ailleurs complètent un hein. No code et low code, ouais. c'est clair. Et, euh, et ouais, c'est vrai que euh, je ne sais plus ce que je voulais dire moi aussi. Mais, <laughs> mais oui, euh, non, non c'est clair que le, il y a toujours des limites. Déjà, il y a, il y a une limite qu'il faut connaître, c'est que avec le low code, le, la propriété du, du logiciel ouais. se retrouve à l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut accepter que son code, enfin que le logiciel, la valeur métier aller plus chez nous aller dans l'outil no code qui est peut-être pas forcément dans l'entreprise. Ça il faut le savoir, il faut en avoir conscience. Il ne Faut pas tout mettre non plus je pense dans un outil no code. Faut pas tout miser sur Mais euh... ben oui parce qu'en fait c'est sur le no code ou le startup ce qui est bien je pense c'est pour les outils internes d'une entreprise c'est très bien parce que du coup ça peut automatiser des tâches, des processus en interne. Mm -hmm. Par contre miser euh, sur du no code en tout cas moi c'est ce que je pense en tant que startup démarrer vraiment un business où toute la valeur métier est dans un outil no code c'est-à-dire que la, la startup, elle n'a pas son propre logiciel à elle, elle a tout mmh. mis dans un outil de code. Ça me paraît risqué du point de vue après, de la valeur et de la, la maintenabilité dans le temps, bah, du, de la valeur du business en fait. Euh, ça peut savoir cette limite-là, il faut savoir qu'on est coincé par l'outil après. Est-ce qu'on peut passer d'un logiciel à un autre Enfin, en tout cas, du, euh, du no-code à un logiciel et, euh, et inversement ouais, justement, c'est là la limite. Ouais. En fait, c'est difficile, il n'y a pas de standard hein, qui permet de, de sortir bah, le, cette petite boîte noire là et de la, de la, de la remettre dans un autre outil. Il n'y en a pas encore, peut-être bon, en ça reviendra, fait, ça mais. Ça dépend un peu ça de, dépend de la plateforme aussi. aussi ouais, ça dépend de la plateforme. Il y en a qui, il y en a qui, sont, qui sont ouvertes et qui permettent de ressortir le, le code, mais ce n'est pas toujours le cas. Ouais. Mm. Mm. Vous avez des exemples à nous donner de, de sociétés, d'entreprises avec lesquelles vous travaillez, euh, qui sont passées justement au no-code ou euh, au low-code et, et qui en tirent de, de nombreux bénéfices Oui, euh, ouais, moi en fait. De mon côté, euh, je pense à Christian Dior qui est un bel exemple. En fait, eux ils utilisaient un outil, euh, un outil de CRM qui est très connu aux États-Unis, Salesforce. Et en fait, euh, ils avaient besoin de générer des documents très spécifiques pour la douane et Salesforce ne le permettait pas. Du coup, ils sont venus compléter en fait avec Carbon euh, Salesforce pour pouvoir bah, personnaliser les documents. Et du coup, ils génèrent vraiment des, des documents mmh. qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Et puis, bien, les personnes qui génèrent ces documents-là, ce n'est pas des développeurs. C'est des responsables produits, enfin ou des, des anciens. c'est ouais, ces anciens, ces anciens devs, ils sont aujourd'hui chefs de projet ou euh, etc. Et en fait, ils sont autonomes pour faire ça. D'accord. Sans, sans développeur. Éclatant. Ouais. Et, et moi, le petit cas d'usage euh, auquel je pense, euh, c'est une entreprise locale euh, que je peux nommer euh, sans problème. C'est Sacho ascenseur, euh, qui avait jusque-là euh, en fait un ERP euh, métier. Euh, et qui en fait, a choisi euh, de miser sur, euh, sur notre solution en fait, pour, euh, pour vraiment avoir un, un ERP euh, sur mesure euh, qui corresponde parfaitement à ses process. Ce qui n'était pas le cas avant, même avec un mmh. logiciel métier. Quoi. Voilà. Très bien. Ouais. Bah, euh, voilà, bah, ouais. Super bénéfice pour eux. Euh, Est-ce que ce n'est pas euh, un effet de mode Est-ce que ce n'est pas cyclique, quelque chose qui va revenir tous les 10-15 ans alors en fait, moi, je pense que le, le mot low code, no code, et c'est nouveau, c'est clair, c'est ça qui est à la mode. Par contre, le concept de d'abstraire le, le code, etc., est, est vieux comme l'informatique. En fait, depuis le début de l'informatique, on a toujours cherché à ajouter des niveaux d'abstraction pour, bah, pour 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 gagner du temps, en fait, tout simplement. Et, et du coup, je pense que c'est une évolution finalement naturelle de l'informatique. Si vous regardez même avant Excel. Pour faire des calculs, il fallait développer en fait. Et Excel mmh. c'est déjà un petit peu un outil no code qui est apparu pour faire des calculs sans être un informaticien. Et finalement depuis tout le temps en fait ça, ça a toujours existé. Et je pense que c'est une évolution naturelle, je pense, à part le vocabulaire qui est nouveau, mmh. qui permet peut-être de simplifier d'ailleurs la compréhension. Parce qu'il existe un autre mot qui s'appelle le, le model driven development. Où on, on développe du code par le modèle. On décrit en fait, sans, et ça, ça génère du code. Et ça ça existe déjà depuis un moment dans les systèmes embarqués, par exemple. Et euh, mais c'est juste que le mot il faisait peur, je pense. Mm -hmm. Et le, le code et nos codes est plus ouais. simple. Ouais. Et jusque là, en fait, euh, cette abstraction, elle était surtout euh, à destination des développeurs. Et aujourd'hui, en fait, on, le, le, ce niveau supplémentaire d'abstraction, on va dire, euh, il, il permet justement à des non développeurs quand même de, de faire des applications. Mm. Donc euh, forcément, et, et à mon avis, l'étape ultime. Euh, alors, je ne sais pas si ce sera l'ultime, en tout cas la, la, la prochaine, c'est grâce aux, aux intelligences artificielles. Euh, à mon avis, ce sera de décrire son, son application assez simplement. Et, euh, et l'algorithme générera en fait mmh. les, les, les écrans, les workflows, etc. Bien. Bon, on verra ça, on n'en est, pas. On est, est pas, pas là encore. Ça commence, mais c'est n'est ouais, pas de, déjà pas de, de la science-fiction. Ça commence déjà ah, J'ai une question euh, qui a été posée sur, sur les réseaux sociaux. Merci. Hein. Hashtag euh, inowik 85 Merci de poser vos questions hein, directement en commentaire, euh, puisque vous êtes euh, en direct depuis les chaînes YouTube de, de l'événement et, et de TV Vendée. Une question sur euh, la, la sécurisation. Est-ce que le no-code est plus, euh, enfin, moins sécurisé, plus ou moins sécurisé par rapport euh, aux autres plateformes euh, moi je pense vrai, que c'est peut-être plus sécurisé. Disons que déjà, on fait moins d'erreurs euh, bah, très bas niveau dans le code. C'est souvent les erreurs de, de les, les failles de sécurité mm -hmm. et sont dans les couches basses en fait. En tant que développeur, on peut vite oublier des petites parties. Il y a tellement de choses à penser. Là, le fait qu'on est dans un outil où, qui abstrait beaucoup de choses. On est, on est, est ça, déjà ça nous limite, on peut pas faire un petit peu ce qu'on veut. Et du coup, justement, cette limite ça a aussi l'avantage la, de nous empêcher de faire des choses mal, de laisser des trous, des failles, etc. Je pense que oui, ça, ça nous protège de, de quelques failles. Oui, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, euh, David, c'est, il euh, y, a, y, a y a une sorte de standard, en fait, euh, qui va sortir du, du code généré, quoi. Mm. Donc, euh, qui peut euh, éviter justement ces failles de sécurité. Euh, pourquoi maintenant C'est vrai, ça pourquoi le no-code maintenant ouais. Je pense qu'il y a le, déjà le web, euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. En fait, le web euh, simplifie un petit peu les choses, euh, bah parce que voilà, maintenant, d'un simple clic sur Internet, on accède à une application euh, assez facilement. Donc, je pense que ça aide. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est une évolution naturelle. En fait, enfin, je, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est dans la continuité. Euh, et du coup, euh, on cherche toujours un petit peu à simplifier le développement. Et, euh, et donc, euh, mm. donc, voilà. Il ouais, y a, y a l'effet euh, Covid aussi qui a été, qui a été assez, assez bénéfique. Hein, euh, le fait que chacun se retrouve chez soi, euh, parfois certains en télétravail et qui n'avaient pas accès en fait, à, la, à, leur, à leur outil. Donc, du coup, l'accès au cloud euh, via ces, via ces applications-là. Ah, justement, est-ce que la crise a été un catalyseur justement pour ouais, euh, le je... développement du no-code Oui, je pense. Moi, franchement, je pense. C'est un petit peu, oui, effectivement. Je pense. Ouais, avec notamment euh, l'apparition euh, du télétravail, ouais. c'est ça et les clouds, et etc. Ouais, ouais, ouais. Ouais, très bien. Je me tourne vers, vers Damien et Jean-Baptiste. Alors, faut-il faut dire yes au no-code selon vous Alors moi, en tant que en quelques mots. CTO, nous, alors, chez PC on développe nous-mêmes nos solutions, mais effectivement, il euh, y a un réel intérêt. En fait, c'est pas plutôt pour remplacer, mais c'est pour compléter. Il y a tellement de demandes et pas assez de personnes pour fabriquer. Euh, carrément, je pense qu'il y a plein de cas métiers qui ont vraiment un intérêt à développer très vite avec des retours d'utilisation des retours et donc d'amélioration très rapide, des cycles très courts. Donc oui, ça vaut le coup. Jean-Baptiste Oui, pour compléter. Moi, je suis pas un technicien, mais en tout cas, pour compléter, je pense que c'est une bonne solution. Et ça marche très bien aussi avec euh, les smart contracts, ceci dit. On en parle maintenant. Alors... On va parler des smart contracts. Euh, L'économie des smart contracts est encore embryonnaire et semble promise à un très bel avenir. Alors de nombreuses applications décentralisées dans les euh, secteurs euh, variés tels que euh, la santé, l'assurance ou encore euh, les chaînes d'approvisionnement sont actuellement en, en cours de développement. C'est une économie dans, dans laquelle les systèmes de blockchain vont jouer. Et là, on va en parler euh, avec vous, Damien, euh, un rôle essentiel. Quels sont les usages du smart contract dans les entreprises aujourd'hui et surtout les enjeux pour euh, demain Damien Lecamp, vous allez nous expliquer cette nouvelle techno. et puis euh, je Jean-Baptiste, euh, eh euh, vous serez la preuve par l'exemple. Alors, les smart contracts ou contrats euh, dits intelligents, euh, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle technologie qui vient d'arriver tout à fait. Euh, merci, bonjour à tous. Alors en fait, euh, peut-être pour expliquer les smart contracts, alors moi je, je utiliserai plutôt la définition de contrat autonome, mm -hmm. euh, plutôt qu'intelligent, parce qu'en fait c'est pas vraiment intelligent. Ça fait ce que le développeur a, a, de, veut faire. Euh, en fait, on va remonter peut-être d'abord à l'origine, puisque les smart contracts s'appuient sur la blockchain, qu'est-ce que c'est que la blockchain Alors ça prend un petit peu de temps à expliquer, mais plutôt que de, d'expliquer de comment ça fonctionne, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'elle a émergé, et à quoi elle a, quel besoin elle a répondu. Donc là on remonte une dizaine d'années en arrière, on est en 2008-2009, et en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, crise des subprimes en 2009, crise financière majeure, et un certain nombre d'acteurs se sont dit, euh, voilà, et en fait aujourd'hui, à l'époque, il y a des gens qui ont utilisé l'argent pas forcément d'une très bonne manière. Des gens se sont dit, il y a un problème autour de cet argent, on ne l'utilise pas bien, on ne sait pas comment l'utiliser. Et donc des gens se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un outil informatique pour proposer d'autres valeurs, pour pouvoir gérer l'argent autrement mmh. À l'époque, il se trouve que ça tombe bien, la technologie était mûre pour justement, la blockchain existait déjà, ça avait déjà été essayé à plusieurs fois, et en fait, on a le croisement d'un côté d'un problème qui est comment gérer l'argent autrement, et une technologie qui permet justement de gérer euh, l'argent. Et donc, en fait, le Bitcoin, c'est la première blockchain qui a marché à l'échelle mm -hmm. euh, publique, apparaît, qui, existe encore. qui existe encore, tout à fait, qui est le, le, encore le, euh, la reine des, des blockchains aujourd'hui. Il y en a des dizaines aujourd'hui qui, qui, qui ont essaimé. Et en fait, c'est ça l'origine de la chose, c'est comment on peut gérer de l'argent autrement. Donc le premier cas d'utilisation de la blockchain, c'est gérer de la monnaie, de la crypto-monnaie. Et en fait, pourquoi ça fonctionne Parce qu'en fait, la blockchain a une caractéristique essentielle. En fait, c'est un système anti-copie. C'est-à-dire que quelque chose qui existe dans la blockchain ne peut pas être dupliqué, on ne peut faire que transférer. On peut posséder, donc là dans le cas d'un bitcoin, on peut le posséder, ou le transférer. C'est le premier système qui permet de matérialiser l'existence de quelque chose et de ne pouvoir mmh. que le transférer comme dans le monde réel. Hein. Quand vous possédez un smartphone, vous ne pouvez pas le dupliquer et le donner à quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, à l'époque, le piratage était énorme. On prenait un MP3, on le dupliquait à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un système qui ne permet pas de le faire. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que peut... ce système fonctionne Il est basé sur des systèmes, des algorithmes mathématiques qu'on met du temps à mûrir. Ils étaient mûrs à l'époque en termes d'informatique. On est basé sur un système qui est distribué. En fait, on va dupliquer l'information sur énormément de serveurs. Ça, c'est très important. Ça empêche la possibilité de modifier un nombre de données. On est basé sur un système euh, ensuite euh, de, de euh, comment dire, euh, le quatrième, euh, le troisième pilier, c'est justement on va avoir un système d'écriture avec des règles spécifiques qui a le droit d'écrire dans le système. Donc là, c'est ce qui va faire la variété des blockchains euh, du marché. Mm -hmm. et, euh, et enfin, le dernier point, c'est comment le, le, les données dedans sont matérialisées et comment elles sont enregistrées. Et en fait, elles sont enregistrées, elles sont chaînées. Chaque donnée est liée à la précédente. Et en fait, l'ensemble de ces éléments fait qu'on arrive à un système très sécurisé Impossible à modifier et infalsifiable. Et à partir du moment là, des gens se sont dit, bah, on ne peut pas chérer que de l'argent avec ça. Si on stocke de l'information, elle va rester là éternellement. Elle sera impossible à modifier. Et donc, on aura la capacité à contrôler dans le temps, deux ans, dix ans, euh, dans 50 ans, que cette information qu'on a positionnée, elle n'a pas changé, elle est toujours là et elle a toujours la valeur qu'elle avait à l'époque. Mmh. Ce qui n'est pas le cas d'un système informatique habituel. Vous hein. vous connectez à une base de données, vous changez la donnée. Dans une blockchain, c'est impossible. Les smart contracts, c'est une couche qu'on rajoute par dessus en 2015 qui permet à tout à chacun, n'importe quel développeur, de pouvoir coder à l'intérieur de la blockchain ses propres règles. D'accord. Propre. Ok. Donc ça, c'est la question. Comment ça marche Exactement. Ça, c'est le journaliste scientifique. Comment ça marche Ça fonctionne comme ça. Donc ça. la blockchain, les smart contracts sont, sont juste au dessus. En fait, c'est un ensemble. En fait, c'est l'enveloppe de, de, de la blockchain. Alors c'est à l'intérieur, plus que l'enveloppe. C'est à l'intérieur. Ça mmh. permet de programmer, du coup, un peu près n'importe quoi comme cas d'utilisation lié à un besoin de sécurité, d'inviolabilité de la donnée. On n'a pas mmh. besoin de la modifier. Et à partir du moment où on a un problème de confiance, parce qu'en fait, c'est ça le Alors, sujet. On va en parler de, de, de la confiance, effectivement. Parce que quels sont les, les, les usages pour les entreprises Exactement. Bah, en fait, à partir du moment où vous cette entreprise, vous intervenez, vous travaillez avec un partenaire, un fournisseur. En fait, un, un tiers, euh, à l'extérieur de votre système d'information, vous avez besoin quelque part de, 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 de vérifier de l'information ou de partager de l'information, mmh. où chacun va pouvoir vérifier qu'elle est juste, pas modifiée. Et, et donc ça, c'est un problème, surtout quand vous commencez à être une dizaine, une centaine. Par exemple, dans la logistique, la chaîne de, de production de données, elle est colossale. Ça passe d'un opérateur à un autre. Est-ce que la donnée n'est pas modifiée et falsifiée au passage Parce que chacun cherche à tirer la couverture à soi. Et la blockchain est un système essentiel, justement, pour prouver à tout le monde. Qui a posé l'information Chacun peut contrôler et relire cette information en étant certain que personne ne peut la modifier en tirant la couverture à soi. Donc derrière les use cases, bah par exemple, autour de, à une époque, le, les constructeurs automobiles cherchaient à digitaliser le, 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 le carnet d'entretien des véhicules. Entre eux et euh, tous les garages, les garagistes qui viennent apporter de l'information, j'ai fait la maintenance à telle date mmh. ou pas, euh, rendre absolument fiable tout simplement le kilométrage euh, d'un véhicule. Aujourd'hui, hein, vous pouvez quand même manipuler le kilométrage d'un véhicule. Le stocker dans un système comme ça permet de garantir dans le temps que la donnée n'est pas falsifiée. Tout le monde, n'importe quel propriétaire pourrait contrôler. Tout à l'heure, Jean-Baptiste présentera le, le use case qui est orienté autour un petit peu de ce système-là. Dans la logistique, énormément autour de ça. Et puis évidemment, la finance. Aujourd'hui, la finance, aujourd euh, finance qu'on avait, euh, la bourse, etc., qui est en train de migrer aussi vers la blockchain grâce au smart contract. Quels sont les enjeux pour les entreprises alors les enjeux c'est fort en fait puisqu'il y a une vraie défiance de beaucoup d'entreprises euh, d'organiser de la confiance de leurs consommateurs. Alors, je vais prendre l'exemple de la grande distribution. Euh, ça fait déjà 2-3 ans. Euh, vous dites que c'est nouveau, mais en fait ça, ça c'est déjà pas mal déployé. Euh, il y a énormément dans la grande distribution de produits dont on peut vérifier la traçabilité, l'origine. Mm -hmm. euh, c'est très intéressant pour des produits dont on sait qu'il peut y avoir des de réelles euh, fraudes. Euh, si je prends l'exemple du miel, par exemple aujourd'hui le miel, euh, par exemple, 60 à 70 du miel qu'on achète en fait c'est du sirop de glucose avec un, un des, des, comment dire, des, on rajoute l'odeur du miel à l'intérieur. Mmh. Et donc en fait, on va avoir des systèmes basés sur la blockchain qui vont permettre de garantir l'extraction, la traçabilité de ce produit au fur et à mesure de la distribution jusqu'à la vente. Euh, voilà, c'est le genre de produit qui a un réel intérêt à être tracé là-dedans parce que ça, ça reste complexe un peu cher, mais pour des produits qui ont de la valeur, c'est très intéressant d'avoir cette information. Alors la traçabilité, j'entends, euh, mais j'entends aussi le mot confiance, c'est-à-dire qu'on met euh, donc, sur euh, ces, euh, ces systèmes-là des données qu'on a envie de mettre, en fait. Exactement. Donc on n'est pas obligé de mettre toutes les données, et donc il faut réussir à, à avoir euh, confiance, en tout cas à se faire confiance en, en, entre fournisseurs. Est-ce que ce n'est pas la limite quelque part Tout à fait, c'est une des limites. D'ailleurs, je, je vais travailler avec des entreprises qui... Voulaient faire des projets blockchain, c'était génial. Et à un moment donné, qui me disent Mais euh, là, il y a un problème. là Si on met cette donnée-là, euh, ouais. tout le monde va l'avoir. <laughs> on ne pas l'enlever. Et en fait, à partir parce y a des de données là, euh, sensibles. on commence à détricoter. Et à la fin, ils se sont rendus compte qu'il ne fallait surtout pas de blockchain parce qu'ils avaient un enjeu de concurrence plus fort que de partage d'informations. Il mmh. y a beaucoup de secteurs où les, le, la législation oblige les entreprises à collaborer. Sans pour autant qu'elles aient envie de le faire. Et pour le coup, la blockchain a un réel sens. Les banques sont les principales utilisatrices pour des processus internes. Hein, parce qu'en fait, les États les obligent à collaborer, même s'ils n'ont pas envie. Comment vous, euh, vous imaginez l'évolution euh, des smart contracts dans les prochaines années Alors, les enjeux, c'est une deuxième limite. Aujourd'hui, c'est clairement les aspects de, de volumétrie et de performance. C'est-à-dire qu'une blockchain, globalement, c'est un système assez lent par rapport à d'autres systèmes informatiques. C'est rapide, mais en fait, très lent par rapport à d'autres. Et euh, vraiment, il y, y a un réel besoin de grandir sur ce sujet en termes de performance, faire plus de volume. On parle de 200 millions d'utilisateurs à l'échelle mondiale, hein, de différents use cases. C'est très faible, hein, ça fait quelques pourcents de la population mondiale. Pour passer à une échelle plus grande, il va falloir vraiment que le, mmh. le système grandisse et mûrisse. Alors. Jean-Baptiste, vous allez nous expliquer comment vous utilisez les smart contracts chez OCODE. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter OCODE en, en, en quelques mots, votre société euh, Oui, donc OCODE, on fait des NFT. D'accord, euh, c'est-à-dire <laughs> Donc on fait des tokens non-fongibles. Alors je vais prendre le, le cas qui vient d'être expliqué. En fait, le Bitcoin est un token qui est fongible, c'est-à-dire qu'il peut être divisé en plusieurs fois. C'est-à-dire mmh. qu'on peut acheter 0,00001. Bitcoin par exemple. Un NFT, il n'est pas fongible, c'est-à-dire qu'on en achète qu'un, il n'y en a qu'un, on ne peut pas le diviser en plusieurs fois. Et donc on fait un NFT de l'objet, c'est-à-dire qu'on va prendre un objet, et autour de ça, on va sécuriser euh, l'information euh, autour de l'objet, donc euh, la documentation, euh, la ligne de vie, euh, et ainsi de suite. Mm -hmm. Et on va garantir la propriété, c'est-à-dire qu'on va certifier que le propriétaire est le bon propriétaire. Euh, et donc euh, ça sert euh, notamment pour le, le recel ou le vol. C'est-à-dire si je me fais voler un objet, euh, ben, je peux pas, euh, en tout cas, certifier la propriété parce que je l'ai volé. Donc en tout cas, mm -hmm. je peux certifier que moi je suis bien le propriétaire et le bon propriétaire. Mm. En quoi c'est intéressant alors pour votre société Et déjà, comment vous avez eu l'idée justement d'utiliser cette euh, cette techno euh, Alors l'idée c'est un long chemin. Hein. Ouais. Voilà, ça vient pas comme ça. Euh, en tout cas, nous, on, notre, notre business, c'est d'apporter la confiance. Donc nous, on vend de la confiance. Euh, et donc euh, on, on apporte une solution qui permet à l'industriel au point de vente et au particulier euh, d'avoir une traçabilité très très fine d'un produit et euh, de pouvoir avoir une, une ligne de vie qui soit euh, notamment inviolable mm. euh, pour pouvoir garantir cette confiance alors vous avez une approche business hein, des, des smart contracts si vous allez nous donner un, un exemple euh, probant euh, l'un des euh, on va dire euh, l'une des choses les plus volées en france ce sont les vélos et vous luttez contre ça oui, donc on a on a un, un cas d'usage qui est, qui est très parlant, notamment dans le vélo. Euh, je vais prendre un cas euh, qui est euh, notamment a été euh, missionné par le ministère de l'écologie euh, sur Coup de vélo. Donc Coup de c'est euh, une plateforme qui permettait d'avoir 50 euros de de chèque de réparation pour mm -hmm. pouvoir réparer son vélo. Donc c'était euh, au premier déconfinement. Donc, euh, on aura peut-être un autre, hein, mais bon. en tout cas, c'était le 11 mai euh, 2020. Et donc, euh, il fallait remettre les gens, euh, on va dire, euh, au boulot. Et, euh, et donc, euh, le, 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 le ministère de l'Écologie nous a contactés pour pouvoir mettre en place une plateforme qui permette de faire réparer ses vélos et donc de distribuer un chèque de 50 euros à celui qui vous fait réparer son vélo. Donc, euh, ça consiste en quoi euh, on a notamment une plateforme qui enrôle les réparateurs. Donc, il faut certifier que mmh. le réparateur est un bon réparateur. En tout cas, certifié euh, avec, euh, on, va, on, on appelle ça un KYB, donc un, un you know business. C'est-à-dire qu'on va certifier que le, le réparateur est une vraie société. Euh, et ensuite, on va certifier le KYC, c'est-à-dire que la personne est une vraie personne et ce n'est pas plusieurs personnes décuplées. Euh, et donc pour ça, on a mis en place une plateforme qui va permettre de faire, euh, en, en tout cas, enrouler cette, 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 ce, ce, ce réparateur. Je vais mettre en place, euh, donc euh, je suis euh, propriétaire de vélo, j'ai envie de me faire réparer mon vélo. Je vais mettre mon vélo chez le réparateur. Le réparateur, il va réparer mon vélo et donc il va émettre une facture. Mm -hmm. Et donc c'est là où intervient le smart contract. C'est-à-dire que nous, on a mis en place une plateforme où je vais mettre en place... Une facture. Cette facture-là va être émise dans, le, dans la plateforme. La plateforme, elle va regarder si les conditions générales d'utilisation sont conformes. Donc la facture, elle est conforme. Est-ce que c'est conforme Oui. Est-ce que le, le, le réparateur est enregistré dans le, dans le système est un bon réparateur Oui. Et à partir de là, on va déclencher un paiement. Donc C'est-à-dire que, c'est tout bon, hein, on a mis dans le système... Euh, une vérification, on a automatisé le système et à partir de là, on déclenche le paiement. C'est une puce d'identité en fait hein, du vélo hein, oui, qui est, est... unique, c'est ça Oui, tout à fait. Et donc, euh, à partir du moment où tout est conforme, on déclenche un paiement. Donc, on a euh, sécurisé et euh, fait 2 millions de transactions en 7 mois. Mm -hmm. On a distribué 92 millions d'euros. Donc, c'est quand même euh, ah, voilà, très colossal. Bon. Euh, et donc, le smart contract a fait euh, son usage parce que dans un cas où il n'y en avait pas, c'est-à-dire qu'on allait vérifier un panel, on va dire, de dossiers. Et donc dans ce panel de dossiers, ce qui était fait généralement, c'est qu'on prenait une, une petite partie et on disait, voilà, euh, dans ce panel, on a 10% de dossiers frauduleux. Voilà. Ben là, au lieu d'avoir un panel, on vérifie tous les dossiers et ceux qui nous semblent frauduleux, en tout cas ceux dont le système semble frauduleux, ils sont écartés. Et donc, bah, du coup, ça évite la fraude, en tout cas, ça la limite profondément. Et donc, ça évite de, de payer plusieurs fois euh, différentes réparations, ou en tout cas, d'apporter euh, bah, un système frauduleux dans un, dans, dans un, dans un cas où c'est assez facile euh, d'aller chercher de l'argent. Mmh. Et donc, là, c'est subventionné. C'est-à-dire que la subvention, c'était des C2E. Et donc, on a permis d'avoir un volume de transactions qui est très, très fort et avec, un, avec un, notamment un process qui est très simple. Alors, ça limite la fraude. Euh, Est-ce que vous avez d'autres cas d'usage Quelles sont les entreprises qui viennent vous voir J'ai vu sur votre site internet, il y avait aussi la SNCF. C'est intéressant parce que on parle de fil d'identité unique. Là, on parle des vélos avec euh, la réparation, mais aussi euh, la perte, par exemple, d'un objet oui, donc nous on limite, en tout cas, on, on, on permet de limiter ou en tout cas de lutter contre la fraude et le vol de l'objet. Mmh. Euh, et donc la SNCF notamment, euh, on marque euh, donc euh, avec un marqueur spécifique qui est un O-code, euh, les, notamment les devices des contrôleurs, donc mmh. euh, tablettes, téléphones, euh, voilà. Et donc à partir de là, on y met en, en place un, ben, tout ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire euh, une propriété, euh, toute une base de données qui est liée à de la documentation et tout ce qui s'est passé. Et donc à partir de là, on a une plateforme qui gère en tout cas tous les devices des contrôleurs. Et on sait euh, qui l'a, euh, qui l'a ramené, où est-ce que c'est. Et euh, ça limite l'ensemble des tableurs Excel euh, diffus. Et euh, que je sois euh, fournisseur, euh, fabricant, euh, réparateur. Euh, ou, euh, ou intégrateur d'une solution, je peux avoir sur le même, la même, le même euh, logiciel mmh. une interaction euh, sécurisée parce que la, la donnée, elle est partagée. On va passer aux questions du public. Euh, alors, euh, on, on me fait signe hein, si, euh, dans mon orientation si euh, j'ai des questions euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez des questions ici dans, euh, euh, dans la salle, puisque nous sommes en, en, aussi en présentiel ici donc euh, à, à la Loco 2 Est-ce que vous avez des questions Pas de questions Alors moi, j'ai une question. Euh est-ce que c'est compliqué à mettre en place Parce que je me mets à la place des entreprises qui nous regardent, ils disent ça a l'air génial les smart contracts. Mais est-ce que c'est compliqué à mettre en place Je dirais pas forcément compliqué. Un smart contract en fait, c'est euh, c'est un contrat mais qui est codé. Donc euh, en fait, on met le contrat dans le code directement. Donc ça permet à je vais prendre le cas d'une boîte euh, par exemple dans une société, on a euh, notamment un pacte d'actionnaires. Et c'est comme si on faisait le pack d'actionnaires dans un, dans un code. Et donc, euh, bah, toute la gouvernance de la société, elle est automatisée. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire que, bah, voilà, euh, en tout cas, le, le système ne peut pas être corrompu parce que c'est dans le code. Donc, euh, on ne peut pas corrompre le code. Euh, et donc, euh, bah, en, tout cas, en tout cas, pour moi, je pense que ce n'est pas forcément compliqué à partir du moment où on a les bons process et euh, le bon cas d'usage aussi. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un cas d'usage. Oui, c'est ça, en fait. Euh, oui, ouais, bien sûr. Bah pour compléter, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, alors sans que ça s'appelle No Code, mais il y a des solutions, effectivement, qui permettent aujourd'hui de, de concevoir des smart contracts en assemblant des, des boîtes un peu graphiques. Et il y a un réel intérêt d'un point de vue sécurité, notamment parce que c'est voilà, il y a quelques malheureusement des implémentations qui ont défrayé à la chronique avec beaucoup d'argent qui a été perdu parce qu'il y avait des failles de sécurité que les développeurs ne maîtrisaient pas forcément. La blockchain est un système mmh. complexe, mais pas forcément sa mise en œuvre. Là, voilà, je rejoins. Il y a beaucoup d'API, euh, des, des, des outils orientés développeurs. Ça reste orienté développeurs, et surtout faut en avoir le besoin. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent mettre en place la blockchain mais qui n'ont pas l'utilité en fait. Donc à partir du moment où le, le cas d'utilisation est bien adapté, euh, il y a une problématique de confiance, de nombreux acteurs, c'est ce que disait Jean-Baptiste, à partir du moment où vous avez une foultitude d'acteurs euh, qui interagissent avec vous, c'est réellement intéressant. Si c'est pour un cas d'utilisation interne à l'entreprise, probablement que ça n'a pas de sens. Mmh. Donc après il y a des entreprises qui comprennent très bien sur le sujet et on trouve des outils d'assez haut niveau. Euh, voilà, il faut comprendre un peu comment ça s'utilise quand même, au-delà du fait que ce soit simple à mettre en œuvre. Mais c'est pas très compliqué quand même. Alors, on a une question sur les réseaux sociaux. Euh, sur quelle blockchain euh, faut-il s'appuyer pour mettre en place un, un, un smart contract Il y a une multitude c'est ouais, effectivement c'est toujours la question euh, donc il n'y aura pas de réponse euh, ce matin c'est pas possible <laughs> en fait il y a des centaines de plateformes c'est là c'est le... pas possible et non, votre fait, non mais c'est important en fait il y a des centaines de plateformes qui ont SME suite à Bitcoin chacune sont un peu spécialisées si on prend Bitcoin il est très orienté crypto cryptomonnaie d'autres sont orientés cas d'utilisation par exemple Ethereum sur la plutôt pour faire de la finance euh, d'autres vont être des blockchains qui vont être dédiés plutôt à la logistique ou pour faire des blockchains internes à des entreprises euh, donc voilà c'est en fonction du cas d'utilisation qu'on va choisir euh, un peu comme les bases de données ou voilà il y, y a chacun produit informatique est adapté à un usage. Euh, donc voilà, il y a des spécialistes qui pourront vous aider à, à, à faire le bon choix. On a une question dans le, dans le public ici à la Loco 2. Allez-y, bonjour. Bonjour, oui. j'aurais une question par rapport au coût énergétique de la gestion en fait, euh, des, des bitcoins, enfin pas des bitcoins, de la blockchain, sur, euh, sur des contrats. Enfin, et quel, quel est l'impact en fait, parce qu'il faut dupliquer l'information et l'héberger sur des serveurs à un moment donné. Donc le coût énergétique. Voilà le okay. coût énergétique et quel est l'impact justement sur le contrat et le coût de mettre ce genre de solution en œuvre. Jean-Baptiste, bah, moi je vais donner un exemple. Donc dans, dans la blockchain il y a deux mondes. Il y a la blockchain publique et la blockchain privée. Donc, euh, ça peut émettre beaucoup de débats hein, euh, là-dessus. Euh, en tout cas, nous, on utilise une blockchain privée donc, euh, qui, euh, qui est basée sur euh, mine qui est un, un protocole spécifique. Euh, et donc, euh, ce, ce, ce process, contrairement à la blockchain publique, n'est euh, pas sur la preuve de travail. Donc, euh, la blockchain publique est plutôt sur la preuve de travail. Mmh. C'est-à-dire qu'on va prouver qu'on a travaillé pour, pour, en tout cas, valider la transaction. Nous, on n'est pas du tout sur ce, sur ce système. Si je vais prendre un exemple très parlant, le Bitcoin euh, utilise à peu près autant d'énergie qu'un pays comme l'Argentine. Euh, à ISO, équivalent de transactions, euh, notre système, par exemple, donc euh, une blockchain privée, si on met autant de transactions que le Bitcoin, utilise à peu près autant d'énergie qu'un MacBook. À peu près. Un peu, un peu moins, même. Mais ce n'est pas du tout le même protocole. Ce n'est pas du tout la même utilisation. Euh, voilà, on n'est pas sur le même modèle. Mais en tout cas, euh, on a des bitcoins qui sont très énergivores, comme le, bit, comme le bitcoin, qui est en, en tout cas pour moi une aberration. Enfin, euh, des blockchains, vous voulez dire, qui sont très énergivores bah, Les blockchains, mais en tout ouais, cas, le ça, bitcoin oui, sûr, de, est des très énergivore. Ouais. Et on peut avoir aussi des blockchains, ou en tout cas des cas d'usage, qu'on utilise, mmh. nous, qui sont très, très peu énergivores et qui n'utilisent pas de crypto-monnaie. En tout cas, nous, on n'utilise pas de crypto donc ils ne sont pas spéculatifs. Merci. To code or not to code, j'espère que vous êtes fait une idée sur la question, merci à nos invités hein. je me tourne vers euh, Florent Cadouin et David Grelo pour leurs éclairages sur cette question, merci euh, en tout cas euh, d'avoir accepté cette invitation pour euh, cette huitième édition de l'Innovation Week merci à Damien Lecan et Jean-Baptiste Ponduit de, de nous avoir expliqué euh, ces contrats qui s'appuient sur la technologie blockchain notre euh, deuxième émission eh bien, euh, portera eh bien sûr une thématique que vous allez découvrir dans un instant, et d'ailleurs eh, petit teasing, je vous invite à aller directement sur euh, le programme de l'Innovation Week, euh, InnoWeek 4 pour découvrir notre prochaine thématique, on se retrouve à 10h. A tout de suite.